faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Écoute, face de rat, ouvre l'œil. Et si tu repères un crétin en chemise à fleurs, tu me préviens tout de suite. T'as pigé ? Oui, oui, à vos ordres. Bon, j'y vais. Y'a quelqu'un là ? Bon. Où est-ce que tu te caches ? Allô ? Vous êtes là ? Répondez si vous m'entendez. Je sais que vous êtes là. Je vous ai observé depuis que Val et vous êtes arrivés. Qui êtes-vous ? Votre seule chance de survie, écoutez-moi très attentivement et appelez-moi Doyle. Pourquoi est-ce que je vous ferais confiance ? Croyez-moi, j'aurais pu vous dénoncer depuis un moment. Votre radio est équipée d'un biodétecteur. J'aurais pu donner l'alerte depuis belle lurette. Ok, j'écoute. Vous devez bouger tout de suite. Je vous aiderai autant que possible, mais le temps presse. Il y a une issue qui mène à un petit camp. Mais attention, la zone grouille de mercenaires. Au fait, je m'appelle Jack Carver. Il paraît que vous portez une chemise rouge. Je vous conseille de vous dégoter un gilet pare-balles. Et de couvrir votre chemise avec quelque chose de moins voyant. Hé, hey, bonne nouvelle! Je vous reçois de mieux en mieux. Je vous suggère de fouiller les baraquements pour trouver des armes et de l'équipement. Restez à couvert et évitez tout contact. Essayez de ne pas alerter les gardes. C'est mal. Jack, j'ai réussi à connecter votre boussole à l'émetteur récepteur. Ce qui veut dire que je peux vous envoyer des coordonnées. Cela vous donnera au moins une vague idée de la direction à suivre. Audio et un détecteur de mouvement. Le docteur Krieger a équipé tout le monde d'un système qui permet aux jumelles de repérer les signaux de positionnement, ce qui est assez pratique.
Il faut qu'on sache exactement.